Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu différente. Fait que la semaine passée, j'ai fait ma première compétition de l'année. J'ai fait le Chuckanut 50K. La course, ça s'est quand même bien passé pour moi là, en termes de position. J'ai fini 11e avec un temps de 3h50. Cette année-là, la course était particulièrement compétitive. Fait que je suis quand même satisfait du résultat. Mais la vidéo aujourd'hui, ça va pas porter sur la course en tant que telle, mais plutôt sur mon plan d'entraînement en préparation pour la course. J'ai vraiment passé l'hiver au complet à m'entraîner pour cette course-là. Puis j'ai essayé plusieurs nouvelles choses dans mes entraînements. Fait que je trouvais ça intéressant justement de vous partager aujourd'hui c'est quoi qui a fonctionné pour moi. Fait que c'est ça, l'objectif de la vidéo aujourd'hui, là, je prétends vraiment pas là, que mon plan là, c'est le meilleur de tous les temps. Là. Je veux seulement vous partager ce qui a fonctionné pour moi en espérant que ça pourrait vous donner des idées d'entraînement à faire par vous-même. Fait que c'est ça, j'ai l'impression que cette vidéo risque d'être assez longue. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais séparer la vidéo en quatre parties. Fait que je vais commencer par présenter c'est quoi les principes là, généraux que j'ai appliqués pendant mon bloc d'entraînement. Ensuite, je vais montrer c'est quoi ma progression de volume de course par semaine tout au long du bloc. Ensuite, la troisième étape, la troisième partie, c'est là que je vais vraiment, en fait, c'est cette partie-là qui risque d'être la plus longue, là, c'est là que je vais vraiment entrer dans les détails de qu'est-ce que j'ai fait pendant ma phase spécifique, c'est-à-dire là, les semaines les plus importantes avant ma course, là. Et finalement, la quatrième et dernière partie, c'est là que je vais parler des erreurs que je pense avoir faites pendant mon bloc d'entraînement, puis qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois pour être encore meilleur. Donc, un des principes que j'ai utilisé, c'est le fameux principe easy days easy, hard days hard. Ce qui veut dire, dans le fond, de prendre les journées où c'est qu'on n'a pas d'entraînement d'intensité ou de sortie longue, vraiment relax pour s'assurer de bien récupérer entre les entraînements difficiles. C'est vraiment ça que j'ai essayé de faire tout au long de mon bloc d'entraînement. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, moi, je vais principalement parler là, de mes entraînements d'intensité ou mes sorties longues, c'est-à-dire là, les entraînements qui sont plus impressionnant sur papier, là. Mais ça, c'est vraiment pas pour dire que toutes les autres journées sont pas importantes, là. Au contraire, je pense qu'elles sont autant importantes. C'est vraiment important de construire son volume en faisant beaucoup d'entraînement à une faible intensité. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, j'en parlais un petit peu moins de ces journées-là, simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de variété entre elles. C'est pas mal toujours la même chose. Donc, mon deuxième principe, et ça, c'est probablement ce qui m'a aidé le plus pendant mon bloc d'entraînement, c'est que je me suis comme développé un système là, que j'utilisais après chaque entraînement d'intensité pour m'aider à déterminer si l'entraînement s'était bien passé ou non. Puis ça, je pense que ça, c'est vraiment important à savoir parce que si j'ai un mauvais entraînement d'intensité, bien, ça se peut que je modifie mon plan par la suite. Fait que ça se peut que je réduise mon volume de course pendant les jours après l'entraînement ou ça se peut même que je déplace là, un prochain entraînement d'intensité un petit peu plus tard. Puis je pense qu'une erreur que plusieurs personnes font, c'est que leur seul indicateur de si un entraînement d'intensité s'est bien passé ou non, ben c'est leur temps qu'ils ont fait pendant leur intensité, fait que la vitesse dans le fond. Fait que par exemple, si quelqu'un avait comme plan de faire des intervalles à un pace visé de 4 minutes du kilomètre et qu'il finit son entraînement avec une moyenne de 3 minutes 55 du kilomètre, mais même s'il est complètement détruit là, à la fin de l'entraînement, mais ça se peut que cette personne-là considère ça comme un entraînement réussi, fait que ça se peut qu'il continue son plan d'entraînement là, comme si de rien n'était. Mais moi, je pense que c'est vraiment important aussi de tenir en compte c'est quoi les sensations qu'on a eues pendant l'entraînement. Puis je pense que ça, c'est même des fois plus important que notre vitesse pendant l'entraînement. Donc moi, mon système que j'ai utilisé, c'est qu'après chaque entraînement d'intensité, avant même de regarder c'était quoi la vitesse de mes efforts, bien, j'essayais justement de deviner c'était quoi ces vitesses-là. Puis là, après, je faisais la comparaison. Fait que si justement, là, par exemple, j'avais l'impression de courir à une vitesse de 3 minutes 30 du kilomètre, mais qu'en fait, la vitesse réelle, c'était de 3 minutes 20 du kilomètre, mais là, c'était un bon signe. Mais au contraire, si la vitesse réelle, elle était de 3 minutes 40 du kilomètre, mais là, ça me montrait que, OK, j'étais peut-être pas en super bonne forme, parce que dans ce cas-là, l'effort perçu était plus important là, que l'effort réel. Puis ça a vraiment bien à donner pour moi pendant ce bloc d'entraînement-là parce que presque tous mes entraînements d'intensité se sont faits sur des chemins de campagne où c'est qu'il y avait des bonnes montées puis des descentes. Ce qui veut dire que pendant l'entraînement, là, j'avais aucune façon, là, même en regardant ma montre, de savoir là, à quoi correspondaient mes efforts là, en termes de vitesse. Fait que c'était seulement après l'entraînement, en me connectant à Strava, puis à regarder la vitesse ajustée à la pente, que là, je pouvais vraiment voir à quoi correspondaient mes efforts.
OK, donc maintenant, on va passer à ma progression de volume par semaine. Voilà, c'est ça. On peut voir que dans le graphique, là, mon bloc a duré 16 semaines au total. Fait que 9 semaines dans la phase de développement où j'ai progressivement augmenté mon volume. Ensuite, j'ai passé 5 semaines dans la phase spécifique où j'ai gardé un volume là, quand même assez élevé tout le long. Puis ensuite, là, 2 semaines de phase d'affûtage où j'ai diminué un peu le volume. Fait qu'on peut voir dans le graphique là, que je faisais souvent comme des mini-blocs de 4 semaines où est-ce que je faisais mes 3 premières semaines avec beaucoup de volume, suivi d'une semaine, je veux pas dire de récupération, là, mais juste avec un petit peu moins de volume. Parce que en fait, là, pendant ces semaines-là, j'en profitais justement pour faire mes plus gros entraînements d'intensité. Fait que par exemple, là, si on regarde la semaine 12, là, où c'est que j'ai réduit un peu mon volume à 145 km par semaine, ben c'est dans cette semaine-là que j'ai fait mon plus gros entraînement de mon bloc au complet. Fait que même si je faisais un petit peu moins de volume, là, c'est pas nécessairement des semaines qui sont moins difficiles. Puis une autre chose là, avant d'entrer dans les détails de la phase spécifique, vous avez peut-être remarqué là, que je n'ai pas vraiment mentionné le dénivelé, ce qui est quelque chose là, de quand même là, très important là, pour la majorité des courses en trail. Fait que je vais le montrer maintenant. Puis c'est ça, dans le fond, là, la raison pourquoi je ne l'ai pas montré, là, c'est que au début, là, c'est que je n'ai pas vraiment planifié là, la quantité de dénivelé par semaine que je faisais pendant mon bloc, parce que ça dépendait énormément des conditions. Fait que par exemple, là, il y a certaines semaines où c'est que les sentiers étaient pleins de neige, pleins de glace. Fait que là, c'était pas possible là, d'aller faire beaucoup de D+. Tandis qu'il y a d'autres semaines que les sentiers étaient super beaux. Fait que là, j'en profitais par faire plus de dénivelé. Voilà, mais c'est ça. Fait que c'est juste c'était pas quelque chose qui était planifié à l'avance. Mais c'est ça que ça a donné au final. Là. OK, donc maintenant, on passe à la partie là, qui est selon moi là, vraiment la plus intéressante. Fait que je vais vraiment parler de chaque entraînement d'intensité et chaque sortie longue que j'ai faite pendant ma phase spécifique. Donc, dans ce cas-ci, c'était les semaines 10 à 14. Fait que vous pouvez voir à l'écran là, une représentation générale là, de ces semaines-là. Fait que quand la case est jaune, ça veut dire que j'ai fait un entraînement d'intensité cette journée-là. Quand elle est verte, c'est que j'ai fait une sortie longue. Et quand elle est jaune et verte, c'est que j'ai fait une sortie longue en ajoutant de l'intensité pendant la sortie. Donc, on peut voir que j'ai presque toujours fait 2 entraînements d'intensité par semaine en alternant une semaine où c'est que je faisais ma deuxième intensité pendant ma sortie longue. Et la semaine après, là, je faisais mes 2 intensités séparées de ma sortie longue. Sauf pour la semaine 13 où j'ai seulement fait un entraînement d'intensité. Mais la raison pour ça, c'est que j'étais vraiment encore en train de récupérer de mes gros entraînements de la semaine 12, mais ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Fait que c'est ça, fait qu'on passe ça tout de suite avec la semaine 10. Fait que la première intensité que j'ai faite, c'était le mercredi. Puis c'était un classique 40 minutes tempo, ce qui est un de mes entraînements préférés. Là. Fait que c'est un entraînement très simple, fait qu'un échauffement de 20 minutes, suivi d'un 40 minutes à une bonne intensité, là, un effort tempo, là, zone 3-4, là, on va dire, et après en terminant avec un 20 minutes cool down. Fait que voilà, pour les vitesses, là, je vais toujours mettre la vitesse ajustée à la pente à l'écran, parce que, tu sais, comme j'ai dit tantôt, là, probablement 90% là, de mes entraînements se sont faits sur des routes de terre avec des bonnes montées puis des descentes, là, fait que la vitesse réelle, là, ça veut un peu rien dire. Fait que c'est ça, fait que 3 minutes 28 pour la vitesse ajustée pour cet entraînement-là. J'étais vraiment content avec ça, les sensations étaient bonnes. Tu sais, je suis pas trop intense, là, comme j'essaie pas toujours là, de viser un pace ultra précis, là, parce que je pense que ça l'ajoute du stress pour rien. Puis ça me cause là, souvent à aller un petit peu trop vite. Mais c'est ça, 3 minutes 28, c'était plus vite de ce à quoi je m'attendais. Fait que c'était encourageant pour la suite. Ensuite, le dimanche, j'ai fait ma première long run en incluant de l'intensité. Là, il faut comprendre là, que dans les semaines avant la phase spécifique, là, j'ai quand même fait plusieurs sorties longues puis quelques entraînements d'intensité, là, mais c'est juste qu'un petit peu moins. Fait que je ne partais pas de rien là, quand même. Fait que c'est ça. Fait que ce dimanche-là, c'était une long run de 36 km. Fait que j'ai commencé ça avec Christopher. Fait qu'on avait fait le premier 20 km assez relax. Puis ensuite, là, je suis parti pour 10 intervalles de 2 minutes avec des récupérations là, en jog de 2 minutes entre chaque intervalle.
Fait que ça avait quand même été difficile cette journée-là. Il faisait vraiment froid. Puis la surface là, était vraiment pas idéale pour courir vite. Mais j'étais quand même content de l'effort, là. C'est jamais facile de faire de l'intensité à la fin d'une sortie longue. Ça, c'était ma première fois que je faisais ça du bloc. Donc c'est ça. Maintenant, la semaine 11, j'ai fait deux entraînements d'intensité plus une sortie longue. Donc, ma première intensité, c'était pour travailler ma puissance un peu. C'était un entraînement qui est assez court, là, puis quand même facile. Je voulais pas pousser trop, là, surtout que j'étais seulement 2 jours après mon 36 km. Fait que c'est ça, fait que j'ai fait 10 intervalles en montée de 45 secondes avec une récupération de 1 minute 15 entre chaque intervalle, là, pour redescendre la côte que je venais de monter. Donc c'est ça, je pense qu'en fait, ça c'était mon entraînement le plus court de tout mon bloc, là, si je me trompe pas. J'ai peut-être fait des 30 secondes, des 30-30 pendant ma phase de développement, là, mais je suis pas sûr. Fait que c'est ça. Ensuite, vendredi, là j'avais quand même un plus grand entraînement. Puis ça s'était vraiment bien passé, là. J'ai fait 3 fois 20 minutes avec 2 minutes 30 de jog entre. Puis encore une fois, là, une intensité là, environ là, de zone 3 ou 4. Là, je suis pas ultra précis par rapport à ça. Puis il y avait quand même là, des pas pires côtes pendant cet entraînement-là. Fait que c'est ça, fait que 3 minutes 27 de moyenne pour la vitesse ajustée à la pente. Fait que je me rappelle, là, après avoir fait l'entraînement, avant d'aller voir la vitesse ajustée à la pente sur Strava, je me disais que j'allais probablement tourner là, autour des 3,35, 3,40 du kilomètre. Fait que c'est ça, c'est pas une énorme différence, là, 3,27 et 3,35, là, mais quand même, là, ça m'a montré que j'étais en très bonne forme. Puis là, seulement 2 jours plus tard, là, c'est sûr que c'était un peu risqué, là, de faire des gros entraînements rapprochés comme ça, mais j'ai fait une sortie longue de 40 km, ce qui était ma plus longue du bloc, mais cette fois-ci, là, sans incluant d'intensité dans la sortie. Fait que j'ai gardé ça, là, relax tout le long. Fait que après ça, c'était vraiment important là, de prendre des journées vraiment relax pour récupérer de mon vendredi et dimanche. Donc j'ai attendu un mercredi de la semaine d'après pour faire mon prochain entraînement d'intensité. Vous savez que j'ai fait un entraînement classique de 8 fois 1 km avec une récup de 2 minutes de jog entre chaque kilomètre. Donc c'est ça, cet entraînement-là était quand même assez difficile. 3 minutes 21 du kilomètre, c'est bien correct, là, c'est pas ultra rapide, là, mais en même temps, je m'entraîne quand même pour un 50 km, là, fait que c'est pas nécessaire là, de toucher tant que ça là, aux très hautes vitesses. Mais c'est ça, c'est juste que mes sensations cette journée-là étaient vraiment moyennes, là, fait que ça m'a montré là, que j'étais encore en train de récupérer de la semaine d'avant. Donc c'est ça. Fait qu'après ça, j'ai vraiment fait attention à prendre les 3 prochaines journées très très mollo. J'ai fait moins de millage de ce que j'avais prévu. Puis c'était vraiment là pour m'assurer d'être le plus prêt possible pour mon gros entraînement du dimanche. Fait que c'est ça. Fait que le dimanche, mon plus gros entraînement du bloc. Puis je dirais même là, mon plus grand entraînement à vie. Tu sais, à part en situation de compétition là. Fait que j'ai fait un 31 km avec le 25 km du milieu à un effort 50 km, là, l'effort que je pensais tenir pendant tout le long de mon 50 km. Puis j'ai vraiment essayé de simuler le parcours le plus possible, c'est ça, en commençant sur du plat, puis en terminant avec des bonnes montées-descentes, comme le parcours du Choconut 50K, là, ce qui est la course que j'ai faite. Donc voilà, ça s'est super bien passé, là. J'ai même réussi à accélérer au fur et à mesure de l'entraînement, là, sans que ça soit vraiment intentionnel, ce qui est vraiment ce qui est toujours un très bon signe, là. Mais c'est ça, c'est sûr qu'à la fin, là, j'étais vraiment cassé, là, t'sais, c'était un entraînement difficile, mais ça m'a vraiment mis en confiance, là, surtout que j'ai fait cet entraînement-là au plein milieu de grosses semaines d'entraînement. Donc je me disais là, qu'en ajoutant en plus la phase d'affûtage, ben là, j'allais être vraiment en bonne forme pour mon 50 km. Fait qu'après ça, j'ai pris 2 journées très relax pour ensuite faire des intervalles 6 fois 6 minutes le mercredi. Fait qu'encore une fois, là, toujours sur des routes de campagne, sur un parcours vallonné, j'ai pris 2 minutes de récup entre chaque 6 minutes. Puis c'est ça, 3 minutes 25 du kilomètre. Rien d'exceptionnel pour moi, mais quand même un bon entraînement. Fait qu'ensuite, le vendredi de cette semaine-là, initialement,
J'avais prévu de faire des intervalles courts en montée, fait comme des 30-45 secondes, comme j'avais fait là, le mardi là, de la semaine 11. Mais malheureusement, cette journée-là, c'était vraiment impossible là, parce qu'il y a eu une très grosse tempête de neige. Fait que c'est ça. Puis j'ai même fini par prendre la journée là, off complètement. T'sais, je commençais là, vraiment à ressentir là, l'accumulation des dernières semaines. Fait que je savais que c'était vraiment important d'écouter mon corps, de récupérer le plus possible pour que je sois prête pour mes dernières grosses séances dans les semaines à venir avant la course. Fait que c'est ça, je pense que c'est vraiment important là, d'écouter notre corps dans ce temps-là. Puis tu sais, je pense qu'il faut vraiment réaliser, là, puis se convaincre nous-mêmes là, que de manquer un entraînement d'intensité, ben, c'est vraiment pas la fin du monde, c'est vraiment pas grave. Fait que voilà, après ça, le dimanche, j'ai fait une long run de 36 km, mais pas d'intensité cette fois-ci. Mais quand même, là, c'était quand même particulièrement difficile cette journée-là. Là. Il y avait eu encore une fois une tempête de neige. Puis, tu sais, 36 km, c'est jamais facile. Là. Ça représente quand même un stress sur le corps, même si c'est fait à une faible intensité. Puis après ça, là, on entre dans la dernière semaine de la phase spécifique, donc la semaine 14 sur 16 au total. Donc, mon premier entraînement, c'était un 50 minutes de tempo, mais cette fois-ci, pour l'une des seules fois du bloc, je l'ai fait sur un parcours parfaitement plat, ce qui est pour moi là, ma faiblesse. J'aime beaucoup mieux là, quand il y a de la variété dans le parcours, avec des montées puis des descentes. Mais c'est ça. Là, j'ai fini avec une moyenne de 3,39 du kilomètre pour le 50 minutes. Fait qu'encore une fois, rien d'exceptionnel pour moi, mais je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est d'avoir des bons entraînements constants, qui sont pas nécessairement incroyables, là, mais juste, c'est ça, de vraiment les faire là, d'une manière constante là, à chaque semaine. Fait que je pense que c'est beaucoup mieux de faire ça que de faire, par exemple, un entraînement incroyable. Puis ensuite être complètement détruit, fait que là, notre prochain entraînement qui soit complètement désastreux. Fait que c'est ça. Fait que je pense que vraiment là, la constance, là, c'est ça la clé. Ensuite, le dimanche, mon deuxième plus grand entraînement du bloc, là, je dirais, là, j'ai fait 32 km avec 10 fois 1 km. Fait que j'ai fait le premier 11 km relativement relax, puis ensuite j'ai enchaîné avec 10 fois 1 km rapide, 1 km relax. Fait que ça s'est quand même bien passé. J'ai trouvé ça quand même assez difficile, là, surtout dans les derniers intervalles. C'était la première fois que je faisais ce genre d'entraînement-là. Ce que j'ai trouvé particulièrement difficile, c'était de toujours devoir rouvrir la machine après chaque kilomètre de récupération. Parce que c'est comme si nos jambes s'habituent à pas aller vite pendant le 1 km de récup. Et là, il faut toujours rouvrir la machine pour reprendre notre rythme là, pendant le 1 km rapide. Puis même mentalement, là, des fois, moi, je tombais quasiment dans la lune pendant mes kilomètres de récup. Donc, il fallait vraiment que j'essaie de garder mon focus pendant tout ce temps-là. Fait que ça, c'était un défi particulier. Donc, c'est ça qui a mis fin à ma phase spécifique. Maintenant, je vais parler de quelques erreurs que je pense avoir faites pendant mon bloc d'entraînement. Fait que premièrement, en fait, j'en ai trois que je vais parler, que je vais mentionner. Donc, premièrement, je pense que ça m'aurait beaucoup aidé de remplacer quelques-uns de mes entraînements qui se sont faits sur des parcours vallonnés, là, avec des montées et des descentes, par des entraînements aussi que les efforts, je les aurais faits uniquement en montée. Parce que une de mes faiblesses en ultra, c'est que souvent, je suis très bon pour monter en début de course, mais plus que j'approche de la fin, mais c'est là que je commence à avoir un petit peu plus de misère. Puis c'est exactement ce qui s'est passé là, pendant ma course de 50 km. Fait que, par exemple, là, si je prends là, mon entraînement là, qui était de 6 fois 6 minutes, à place de le faire sur un parcours là, avec des montées et des descentes, mais je pense que ça aurait été utile pour moi de faire en fait, mes intervalles de 6 minutes uniquement en montée. Fait que ça, justement, là, ça aurait comme habitué mes jambes à être capable d'aller vite, de monter rapidement, même après avoir accumulé beaucoup de dénivelé. OK, donc ma deuxième erreur, c'est que tout au long de mon bloc d'entraînement, c'est pas arrivé une seule fois que j'ai apporté des gels à manger pendant mes sorties. Fait que ça peut paraître là, assez évident là, que c'était pas une bonne idée, là, surtout étant donné que pendant ma course de 50 km, j'en ai pris 7 au total. J'en ai pris un à chaque 30 minutes. Fait que j'étais vraiment pas habitué à en prendre. Mais heureusement, là, j'ai pas eu de problème là, pendant la course, là, mais ça aurait très bien pu arriver.
Mais c'est ça, c'est surtout l'hiver, là. Je pense que comme plusieurs d'entre vous, probablement, là, tu sais, j'aime pas ça manger, là, pendant que je cours. Fait que la seule chose que je faisais, c'est que je m'apportais une flasque avec une boisson d'électrolyte. Mais c'est ça, c'était vraiment pas assez, là, surtout pour les sorties, là, dès que ça commence à dépasser 2 heures. Là, c'est sûr que j'ai payé le prix, là, dans certaines longues sorties. Puis je pense que ça m'aurait beaucoup aidé, là, d'apporter des gels pendant ces sorties-là. Ok, donc finalement, troisième point, c'est pas vraiment une erreur, là, parce qu'il n'y a pas grand-chose que j'aurais pu faire pour changer ça, mais c'est juste que j'ai fait aucun entraînement d'intensité pendant mon bloc sur des sentiers techniques. Mais c'est ça, c'est juste qu'ici, avec l'hiver québécois qu'on a, avec toute la neige et la glace, mais ça leur rend ça impossible. Mais c'est certain que ça leur a été utile parce que pour ma course, le Choconut 50K, il y avait quand même des sections là, qui étaient quand même assez techniques, là, fait que ça aurait été bien d'avoir un petit peu de pratique pour ça. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que ça vous a donné quelques idées d'entraînement que vous pouvez faire par vous-même. Fait qu'encore une fois, là, je prétends vraiment pas là, que ça, c'est la recette gagnante pour tout le monde. Là. T'sais, je sais que je suis quelqu'un qui fait quand même pas mal de volume, mais je voulais juste vous partager là, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas encore une fois là, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié quand je vais mettre d'autres vidéos en ligne. Fait que c'est ça. À bientôt. Bye!